mon réveil, je suis descendue au puits. Il avait plu dans la nuit, mais il faisait grand soleil. J'en suis remontée bientôt, demander à mon grand-père de m'expliquer ce mystère. Notre puits n'avait plus d'eau. C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? Grand-papa m'a dit de sa grosse voix. La faute à personne, la faute à l'automne qui tarit les puits. C'est pas la faute au boulot, c'est pas la faute aux érables. Les sapins sont pas coupables, y en a plus sur le coteau. C'est pas la faute aux oiseaux, quant aux castors leur barrage amène dans nos parages la rivière et ses ruisseaux. C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? Grand-papa m'a dit de sa grosse voix. La faute à personne, la faute à l'automne qui tarit les puits. C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? Grand-papa m'a dit de sa grosse voix. La faute à personne, la faute à l'automne qui tarit les puits. Je suis pleine de pourquoi, malgré ce que dit grand-père. Et le puits l'année dernière était à l'ombre des bois. Si c'est la faute au soleil, le grand livre va le dire. Tout ce que je pourrais conseil. C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? J'ai bien réfléchi, il y a selon moi au fond de la terre un trou de lumière qui boit et qui boit.